J'ai un message pour Monsieur Sapin. Il n'est pas là. Nous sommes notre financier, donc il arrivera. Je voulais le remercier. Grâce à lui, nous allons devenir très riches. Pourquoi ? Parce que la loi de finances de 2016 oblige tous les commerçants de proximité, les 300 000 commerçants de France, de s'équiper d'un système certifié. Et donc, il y a une magnifique opportunité pour les adresser. Ce que nous faisons, notre objectif, notre ambition, c'est de devenir le Visa Mastercard pour les petits commerçants pour processer les flux de gestion du commerçant. Comment nous l'adressons ? On a deux approches commerciales. La première, c'est en mode direct, et on a un taux aujourd'hui de réussite de 90% avec un réseau d'addicts poppers et un réseau indirect où on signe avec des grands faiseurs, des grandes banques françaises, des cabinets comptables. Le bénéfice que nous apportons aux commerçants, la principalité, c'est notre capacité à leur faire économiser 500 euros par mois. C'est leur faire augmenter leur taux de rentabilité de 2 à 10% grâce à nos connecteurs qui permettent de synchroniser les données entre leur site e-commerce, leur caisse enregistreuse et leur logiciel de comptabilité. Nous avons un objectif. On a réussi à gagner plusieurs batailles. 70 commerçants signés en 5 mois. 3 gros contrats avec des banques, des mainteneurs et des cabinets comptables. Mais gagner une bataille ne veut pas dire gagner la guerre. Or, ici, dans la salle, je sais que vous êtes tous des challengers et vous avez envie de gagner des batailles. Et donc, au risque de paraphraser Napoléon, je vais dire... L'intendance suivra. Grâce à vous, nous allons être capables de devenir le leader européen de la gestion des flux non monétiques de l'ensemble des données de gestion des commerces indépendants. Nos clients sont en France, bien sûr, mais déjà en Europe et en Afrique. Pour vous expliquer comment on a réussi à faire ça en seulement 5 mois de commercialisation, je vous invite à venir nous voir tout à l'heure. Merci.